Oh, yeah.
Aujourd'hui, je vais prendre la sixième coupe.
Today I will take the same thing, the sixth round, or the second place. Comme l'a dit le frère Barak, chaque fois qu'une coupe était versée, c'était un fléau qui était déversé sur la terre. I say, but Barak is as long as one cup, one of a vow was poured, yeah, it was placed on the Amen. Donc ici la Bible nous dit, here the Bible saying, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. The sixth poured his vow on the river Euphrate. Et son nom Tari. And his name and the water thereof was dried up. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. That the way of the kings of the east must be prepared. Amen. Amen. Donc le frère Branham nous dit, here the Branham saying, que l'Euphrate, c'était le fleuve qui traversait l'Éden. It was the river that crossed the Eden. Amen. Mm-hmm. Donc l'Éden, il y avait l'Éden et il y avait le jardin d'Éden. There was Eden and there was the Garden of Eden. Le jardin d'Éden était en Éden. The Garden of Eden was in Eden. Amen. Mais l'Euphrate, c'était un fleuve qui traversait l'Éden. It was a river that crossed. Géographiquement. In geography. Amen. Maintenant, now, la Bible nous dit, the Bible saying, que quand le sixième ange versa sa coupe, the Bible says when the sixth angel poured on the river Euphrate, on dit que l'eau du fleuve tarit. They said the water of thereof was dried up. Amen. Amen. Et le frère Barak dit que dans le sens spirituel, and Barak say in the spiritual sense, il dit l'Euphrate c'est le fleuve dénominationnel. He said Euphrate is a denominational. C'est-à-dire ce fleuve-là, le fleuve qui gardait, n'est-ce pas, le Saint-Esprit captif. The river that was keeping the Holy Spirit as a captive. Durant les sept âges d'église. During the seven churches. Et le frère Barak nous dit aussi. And the brother said as well. Que dans le fleuve Euphrate. That in the Euphrate river. C'est caché les chevaux. Also horses were hidden. Amen. Les chevaux qui avaient les queues comme les scorpions. The horses that had tails like scorpions. Et lorsqu'on verse maintenant. And when we pour the vow. Donc le fleuve doit sécher. So the river had to dry. Et quand le fleuve sèche, and when the river dries, tout ce qui est dedans, everything that's inside, doit sortir, has to come out. Et vous allez voir que le sixième, we see that the fleuve, sixth, le sixième fleuve, the sixth place, ou la sixième coupe, or the sixth vow, arrive juste avant la septième coupe, comes before the seventh vow, ou bien avant le septième fleuve, or before the seventh place. Mais ici on nous dit, but here we tell you, une fois l'Euphrate tarit, once the Euphrate dried up, c'était pour frayer le chemin au roi. It was to create a way for the king. Amen. To make a way. Vous allez remarquer que le roi, you notice the king, c'est en minuscule, is in small letters. Small letters. Amen. Mm. C'est au pluriel. And it's in plural. Vous êtes avec moi? Are you with me? Donc le roi c'est en minuscule. So the kings are in small letters. Et au pluriel. And in plural. Ce n'est pas un roi. It's not one. C'était des rois. It was kings. Amen. Amen. Jésus il est le roi. Jesus is the king. Des rois. Of kings. Amen. Amen. Donc quand on verse la coupe, so when they pour the vow, c'est là qu'il arrive le fact, that drives the effort, pour faire entrer le roi, to allow the king to come in. Mais le roi venait d'où? But where were this king coming from? Il venait de l'Orient. They were coming from the east. And not the tell, in other words, il venait du nord. They were coming from the north. Yeah. Donc il venait de l'Orient. They were coming from the east. And not the tell aussi, in other words, il venait de l'éternité. They were coming from eternity. Nous voyons quand la coupe verte est versée, we see that when the cup was poured, il y avait les rois qui se préparaient pour faire leur entrée. There were kings that were getting ready to enter. Là où la Bible parle des portes éternelles. Where the Bible is talking about the eternal gates. Eternal gates. Eternal gates. Je ne sais pas si c'est comme ça l'anglais. I don't know. Élevé pour les taux. So that the king and his could enter. Donc tout ce qui est qui régnait durant les âges de Christ. All those that reigned during the church ages. Donc malgré toutes les coupes qui étaient versées. No matter how many cups were poured. Mais le fleuve Euphrate existait toujours. The Euphrate, our river, was still there. Amen. Amen. Mais lorsque
when on verse la coupe, we pour, they poured the vow. Cette fois-ci, l'Euphrate tarit. This time, Euphrate was dry. C'est-à-dire que tout ce qui a été dedans dans le fleuve, everything that was inside the river Euphrate, est maintenant à découvert. So it's open. Is amen. Amen. Et quand ça tarit, and when it dries, les rois, the kings, qui venaient de l'Orient, that were coming from the east, devaient maintenant faire leur entrée. They now had to start entering. Et ces rois-là, and those kings, ne sont rien d'autre que ceux-là qui étaient dans les âges gris, those that were in the church ages, qui étaient partis dans le quatrième saut, that went to the fourth seals, amen. Amen. Et qui reviennent, and comes back. Ils ne devaient pas revenir. They were not supposed to come. Tant que l'Euphrate existait. As long as Ephraim was still there. Il fallait que les eaux puissent d'abord tarir. The river had to dry first. Amen. Amen. Les mauvais enseignements des églises. The false teaching of the church. Devaient d'abord tarir. Had to dry up. Pour introduire le roi. To introduce the king. Qui venait de l'Orient. Who was coming from the east. Amen. Amen. Donc la coupe l'a préparé. So the cow prepared. Préparer les chemins. The verb prepare the way. Pour l'entrée des rois. For the king to enter. Amen. Maintenant. Now. Verset 13. Verse 13. Il dit, j'ai vu sortir de la bouche du dragon. He says, and I saw three unclean spirits like a frog out of the mouth of the dragon. Et de la bouche de la bête. And in the mouth of the beast. Et de la bouche du faux prophète. And in the mouth of the false prophets. Amen. Amen. Donc, la bête. The beast. Le dragon. The dragon. Le faux prophète. The false prophet. C'est la même personne. It's the same person. Amen. Amen. Et ça, c'est wrong. This is wrong. Et de sa bouche est sorti trois esprits impurs. And in his mouth came three unclean spirit. Semblable à des grenouilles. Like frogs. Amen. Amen. Et le fait qu'on a dit une grenouille. But when I say a frog, c'est un animal qui regarde toujours en arrière. It's an animal that always look backward. Fabulous, les trois esprits impurs. But when I say those unclean, three unclean spirits, il dit que c'était la trinité de Satan. He said it was certain trinity. Quand il disait aux gens, when he was telling people, qu'il y a trois personnes en Dieu. There are three people in God. Et lorsque maintenant le frac tarit, and when Ephraim dries, toutes ces doctrines devaient être mises à découvert. Those doctrines were supposed to be revealed. Parce que dans le frère Branham, because in the time of Branham, la trinité était encore forte. Trinity was still there. Amen. Amen. Parce que toutes les églises, almost all churches, étaient dans la trinité. Were in the trinity. Parce que le frère Branham lui-même, because Branham himself, il est sorti des églises baptistes, came out from the Baptist church. Là où il était, where he was, avec son pasteur Davis, with his pastor Davis, là-bas il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. They were baptizing people in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Mais le frère Branham, but Branham, le jour que le frère Davis devait le baptiser, the day Brother Davis was supposed to baptize him, il a insisté. He insisted. Il a dit à son pasteur. He told his pastor. Il dit moi. He said me. Baptise moi au nom du Seigneur Jésus Christ. Baptize me in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Et le frère Davis voulait refuser. And Brother Davis wanted to refuse. Et le frère Branham a insisté. And Brother Branham insisted. Amen. Amen. Parce que lui il avait déjà la révélation. Because he had the revelation. Donc toutes les églises. So all the churches étaient sous les trois esprits impurs. Were under the three unclean spirits. Qui regardait toujours en arrière. That were always looking backward. Qui était la trinité de Satan. This was the trinity of Satan. Amen. La Bible dit. The Bible says. Ce sont les esprits des démons. They are the demons. They are the spirits of devils. Qui font des prodiges. Working miracles. Amen. Donc ce sont les esprits des démons. They are devil spirits. Mais qui produisaient aussi des prodiges. And which were doing miracles. Amen. Donc cela veut dire que. That which means. Produire des miracles. Produce miracles. Ne fait pas de vous un enfant de Dieu. That will make you the child of God. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas aux miracles. It doesn't mean we don't believe in miracles. Nous croyons aux miracles. We believe in miracles. Mais produire des miracles. But producing miracles. Ne fait pas de vous un enfant de Dieu. That will make you a child of God. Amen. Donc les démons ici, the demons here, ont fait des prodiges, did miracles. C'est pourquoi Jésus a dit. That's what Jesus said. En ce jour-là, in that day, c'est-à-dire la descente de la pierre de feu, in the coming of the headstone, beaucoup viendront à moi. Many will come to me. Et ils diront, and will say, nous avons guéri le malade de heal in your name. Amen. Amen. Nous avons ressuscité le mort à ton nom. Raise the dead in your name. Et he will tell them, loin de moi.
far away. Je ne vous ai point connu. I do not know you. Vous qui commettez l'iniquité. You who committed iniquity. Amen. Amen. Donc les démons, so the demons, qui font les prodiges, doing miracles, et qui vont vers les rois de toute la terre, and which go les rassembler pour le combat du grand jour. Which go forward unto the kings of all of the earth and of the whole world to gather them to a battle. Gather them to the battle of the great day of the Almighty. Amen. God Almighty. Donc les démons aussi, the demons also, ils sont en train de rassembler les gens. They are gathering people pour les grands jours de la bataille. For the great day of battle. Amen. Amen. Ah, j'aime ça. I love it. Et aussi de l'autre côté, and on the other side, la coupe est versée, the veil is poured, pour préparer le chemin, to prepare the way, n'est-ce pas, de l'entrée du roi, for the entry of the king. Et le frère nous a dit, and Brother Adam told us, que Christ aussi a rassemblé ses sept quatre points des cieux. That Christ also gathers his on the four corners of the earth. Et aussi l'Antichrist and the Antichrist rassemble aussi ses siens. Our God is gathering his pour le grand jour de la bataille. For the great day of the battle. Parce que dans le septième fléau, because on in the seventh plague, ça sera la bataille. It will be the battle. Donc ici là, here, dans le sixième fléau, in the sixth plague, ou dans la septième coupe qui est versée, or the sixth vow. Which is poured. Amen. Amen. C'est une préparation. It's a preparation. Christ prépare le chemin. Prepare the way. Le roi qui vient de l'Orient. The king is coming on the way. Qui vient de l'Éternel. Coming from the east or coming from the east. Il vient faire quoi? Why are they coming to the east? Il vient pour la grande bataille. They come for the great battle. Quelle grande bataille? Which great battle? La bataille. The battle. Du jour du Dieu Tout-Puissant. Of the day of the God Almighty. Amen. Amen. Et voir que, and we see that le jour de l'Éternel, the day of the Lord, c'est le jour que Jean a été ravi à l'esprit. The day that God was caught, that John was caught up in spirit. Quand Jean était ravi à l'esprit. When John was raptured in spirit. Amen. Et quand il est monté, and when he went out, il voit un homme, he saw a man avec les cheveux blancs comme la laine, with a white cap of hair like a wool. Il voit les yeux comme le feu. He sees the eyes as a fire. Amen. Amen. Et les pieds comme des lames. And les pieds comme des lames. The feet like brass. Amen. Amen. Et tout ça, and all of that, ça parlait du jour du jugement. Speaking of the judgment day. Amen. Amen. Et lorsque le roi vient, and when the king comes, le roi là ne vient pas eux-mêmes. When those kings come, they don't come by themselves. Mais ils viennent aussi avec le grand roi. They also come with a great king. Amen. Amen. Voilà pourquoi le frère Barabou dit. That's what Barabou said. À la descente de la nuée. At the coming of the cloud. Okay, à la troisième venue. At the third coming. Il vient comme le roi et reine. He comes as king and queen. Amen. Amen. L'ensemble des rois. The tous les rois, all the kings together. Forme la reine. Forme the king, the queen. Amen. Donc, lui, il rassemble les démons. He is gathering the demons. Comment il les rassemble? How is he gathering them? Il les rassemble par les prodiges. He gathering them by miracles. Amen. Déclare pas l'évangélisation. Evangelization. Venez ici. Come here. Guérison miracle. Healing and miracles. Amen. Les gens viennent. People are coming. En cascade. So many. Oh, c'est monsieur, il a dit. This man has God. Les gens sont guéris. People are healed. Mais qu'est-ce qui guérit les gens? What is healing? C'est leur propre foi. It's all their own faith. Amen. Et maintenant, quand les gens sont guéris, and when the people are healed, les gens commencent à dire. People start saying. Oh, le Dieu de l'église Matembele Tabernacle. The church of Matembele, the God of the Matembele Tabernacle. C'est lui-là le vrai Dieu. It's the one of the true God. Mais là, au lieu de conduire les gens vers Dieu, instead of guiding people to God, ils conduisent les gens vers l'église. And they are guiding people through the church. Et l'église. And the church, c'est ça les démons. That's the demon. Ah, ça c'est choquant, frère. That's very hard. Frère, l'église est un démon. Brother, the church is a demon. Frère, on a dit, Romain, il y avait trois rideaux. There were three curtains. Il y avait les rideaux de bambou. Mm-hmm. Les rideaux de fer. There was metal. Iron. Iron curtains. Il y avait les rideaux de bambou. Bamboo. Bamboo is bamboo. Bamboo. Yeah, bamboo. Bamboo. Our curtain. Yeah. Et puis il y avait les rideaux de pourpre.
pape Carlton. The pape of Carlton. Amen. Le pape Carlton. Maintenant, le frère Branham me dit, and Branham says, que le rideau le plus dangereux, that's the dangerous curtain, c'était le rideau de pourpre. It was the pape curtain, the pape curtain. Et c'était le rideau le plus dangereux. It's the pape curtain, the dangerous. Il dit pourquoi? He said why? Parce que les gens se font les membres de l'église. Because people are making themselves. Et beaucoup de gens, ne voient que le rideau là dans l'église catholique. Many people only see that curtain in the church, in the Catholic church. Mais le frère Branham n'a pas dit ça. Branham didn't say. Le frère Branham a dit. Branham said. Que le rideau là c'est la religion. Branham said that curtain is religion. Or le message de frère Branham. The message of Branham. N'est pas une religion. It's not a religion. Le message de frère Branham. The message of Branham. C'est une transmission de la vie. It's a transmission of life. C'est Dieu qui donne la vie pour la son peuple. God giving the life to his people. Rien ne vaut de la religion. Nothing of the religion. Donc c'est pourquoi Paul a dit. That's what Paul says. C'est pourquoi. That's why. Mettons de côté. Let's put aside. Toutes les œuvres mortes. All the dead works. Étendons à ce qui est parfait. And go forward to what is perfect. Amen. Amen. Femme says. Le baptême d'eau. The baptism of water. Il sait bien. He says good. Il ne sait rien ne vous fait qu'entrer dans l'église. C'est pas. That only enters, brings you in the church. C'est pourquoi. That's why. On ne peut pas mettre l'accent sur ça. We cannot put the accent, the full point on that. Amen. The point on that. On va parler des œuvres mortes. We will speak of the dead works. J'ai déjà préparé ça. We will prepare. C'est-à-dire que. Is meaning. Femme on dit le baptême d'eau. The baptism of water. Le fait que vous confirmez dans l'église. Confirms you. Amen. Church. Et c'est bien. It's good. Mais ça ne vous confirme pas au ciel. It doesn't confirm you in heaven. C'est simplement l'église. It's only the church. Amen. 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 Frère Pessin. Frère Pessin. Mais on est de la toute intelligence. Et tout ça. And all of that. Les gens ont placé leur pensée dans toutes ces choses-là. People have put their mind in all those things. Et aujourd'hui, and today, les églises sont là. Churches are there. Comme des business. As business. Amen. Amen. Voilà pourquoi. That's why. On insiste beaucoup. They insisting. C'est le dîme et les offrandes. In tithes and offerings. Amen. Amen. Parce que si on enlève le dîme et les offrandes. Because if you take away tithes and offerings. Beaucoup des églises vont fermer. Many churches will close. Amen. Amen. Donc il a besoin de beaucoup de gens. He wants, he needs many people. Parce qu'une église de 15 000 membres. A church of 15,000 people. $1 par personne. $1. Chaque dimanche. Every Sunday. $15,000. $15,000. Vous comprenez? Very good business. Amen. Amen. Mais le frère m'a dit, Brother, je ne suis pas venu construire les églises. I didn't come to build churches. Il dit, je suis venu construire les individus. He said, I came to build individuals. Que les gens deviennent des nouvelles créatures. That people should become new creatures. Moi, quand j'ai cru le frère Branham, when I believe Brother Branham, c'était avant même que je voie tout ce qu'il a produit comme miracle. He's even before seeing what he produced as miracle. Non, je disais qu'avant que je puisse connaître le frère Branham. I was saying before knowing Frère Branham. C'était avant même que je voie, je lise tout ce qu'il a produit comme miracle. It was even before I read everything that he produced as a miracle. Mais par la parole qu'il a prêché. By the word that he preached. J'ai compris que ce monsieur. I understood that this man. N'amenait pas les gens à l'église. Didn't take people to the church. Amen. J'ai compris, le frère Branham amenait les gens vers la parole. I understood that Frère Branham was taking people so wrong. C'est la chose qui m'avait confirmé qu'il était un vrai prophète. That's the thing that convinced me that he was a et un vrai prédicateur. And a true preacher. Amènera les gens dans la parole. We take people to the word. Amen. Amen. Nous, on n'est pas là pour établir les gens dans cette église. We are not here to establish people in this church. Le frère Branham a dit, Frère Branham là où les gens se rassemblent, where people are gathered, pour la prédication de la parole, for the preaching of the word, c'est une église. It's a church. Amen. Amen. Mais on n'est pas ici pour ça. But we are not here for it. Parce que si c'est le cas, if that's the case, if that's même, comment, même Caïn Cain serait sauvé. We'll be saved. Mais l'église est devenue un démon. But the church has become a demon. Ça commence à se mettre devant Dieu. It starts to be before God. Amen. Amen. J'ai un ami. I have a friend. Qui m'a envoyé. Sent me. Comment. Un extrait de la prédication de Frère Lifo. A small part of preaching of God. Où le frère Lifo déclare.
what about the four body clear? Et Jésus Christ dans sa seconde venue. That Jesus Christ in the second time. Il est descendu pour terminer sa course dans William Branham. He came to finish his work in William Branham. Alors, il était achoppé. So he was really stumbled. Et il m'envoie la vidéo. And he sent me the video. Moi, je dis amen. And I say amen. C'est la vérité. It's the truth. Il dit non, mon frère, tu ne peux pas dire ça. Oh, my brother, you can't say. Après, il m'envoie une autre photo. And he sent me another picture. Quelqu'un dit, someone said, tout celui qui adore Jésus adore un démon. Every person that worship Jesus worship a demon. Et Jésus a un nouveau nom. Jesus had a new name. C'est William Branham. It's William Branham. Amen. Moi je l'ai dit. Moi I told him. Moi je dis, ce que le peuple dit. What the people say. Et ce que ce monsieur dit. And what this man said. Ce n'est pas la même chose. It's not the same thing. Ce n'est pas la même chose. It's not the same thing. Parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. C'était le même Jésus dans Samuel. It was the same Jesus in Samuel. Le même Jésus dans Moïse. The same Jesus in Moses. Le même Jésus dans Pierre. The same Jesus in Peter. Amen. Amen. Parce que dans la chambre haute. Because in the upper room. C'est Jésus qui est venu sous la forme d'un colonne de feu. It's Jesus who came in the form of a pillar of fire. Parce qu'il a dit. Because he said. Jésus que tu persécutes. Say, I'm Jesus, the one you persecute. C'est la colonne de feu. Because the pillar of fire. Aujourd'hui. And today. Jésus est retourné. Jesus has returned. Sous la forme. In the form. De William Branham. William Branham. Mais cela ne fait pas une chair de Branham. That doesn't make Branham flesh as God. Le nom de Branham, the same Branham, c'est le nom de son père. It's the name of his father. C'est le nom de Charles. It's the name of Charles. Pas le nom de Dieu. It's not the name of God. Amen. Amen. Le nom de Dieu, the name of God, c'est le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Mais qui se calme? Which incarnate. Amen. Et aujourd'hui, and today, si vous cherchez Jésus, if you're looking for Jesus, dans William Branham, si c'est Dieu, si c'est Dieu dans William Branham, if it's God in the Branham, mais aujourd'hui, but today, Jésus est là. Jesus is there. En cave de Rouchy. Et je ne laisserai pas mon sel. Wow. I will not leave my sin.
see the corruption. Ouais, Dieu est parfait. God is perfect. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, si vous cherchez Jésus, so if you look for Jesus, Jésus a été manifesté dans le corps de l'homme de Kentucky. Jesus is manifested in a man of the body of man of Au travers de la colonne de feu, through the pillar of fire, lors de la naissance du feu, Branham, la colonne de feu descendue, the pillar of fire came down. Et il a dit, and he said, je l'ai voilé, and I veiled him, durant tout ce temps-là. Amen. Et quand il marchait, and when he was walking, c'est Jésus qui marchait. It was Jesus walking. Même la femme de Thomas Bonne, the wife of Thomas Bonne said, ce jour-là, that day, j'ai vu. So, Jésus-Christ est dans la chair humaine. Jésus est dans la chair humaine. J'aime ça que le frère Jean-Bernard dit. Le frère Jean-Bernard dit, ce qui me soulève le cœur. Par Jean-Bernard, c'est. Ce qui me soulève le cœur, ce qui me rend malade. C'est de voir Tommy Osborne, un pentecôtiste confirmé. Tu sais, Tommy Osborne est pentecôtal. Et confirme en partie. Il est allé jusqu'à voir Dieu dans la chair humaine. He went up to see God in the human flesh. Mais un homme courant du message. But a man, a message believer. Il dit non, frère. I said no, brother. Si la petite âme de l'homme, il fait le refus. Il va exploser. Il va éclater. Incroyable. Unbeliever. Frère, le salut. Brother. Ou le salut. L'expiation. The atonement. C'est Dieu dans la chair humaine. It's God in the human flesh. Yes. Amen. Même cette Bible, even this Bible, ça n'a pas de puissance. It has no power. Si cela ne devient pas vous. Amen. Si cela ne devient pas vous. If this cannot become birth. Le Dieu ne peut prendre la Bible là. Et quand la Bible devient une personne, là vous êtes tout puissant. Amen. Les femmes vont le dire. Les femmes vont le dire. Que tout homme qui est totalement soumis à Dieu, every person that is totally submitted to God, c'est un tout puissant. He's a mighty. He's almighty. Josué était soumis à Dieu. Joshua was submitted to God. Quand il voulait combattre, when he wanted to fight, il regarde comme ça, he looked at him, comme ça fait la nuit. He started to become night. Il dit soleil arrête de toi. The sun stop there. Frère, donc on est là 15 heures. We there. Three. Quand il arrête le soleil, when he stops the sun, tout le monde du monde s'arrête. The whole watch in the world stops. Qui peut faire ça? Who can do it? C'est Dieu. It's only God. Et Josué n'a pas dit au nom de Jéhovah. And Joshua didn't say the name of Jehovah. No. No. Il a dit. He said. Soleil arrête le ouais. Soleil. Yeah. Yeah. Parce que Dieu était en Josué. Because God. Yeah. C'est le nom de Dieu. Yes, Seigneur Jésus Christ. It's the same God, the Lord Jesus Christ. Jésus était en frère. Quand Jésus était en frère, c'est là que nous avons parlé. C'est ça le septième fleuve. C'est ça la septième coupe. That's the seventh vow. Qui est venu? Which came? Briser la statue du roi. To destroy the statue of the king. Parce que quand ça descend, because when it comes, cette pierre, that stone, n'a pas de pitié des églises. Has no, it doesn't feel sorry. Quand Jésus est venu, when Jesus comes, son objectif, his objective, c'était de battre toutes les églises de Jésus. Churches of toutes les synagogues, churches, all the synagogues. C'était ça le travail de Jésus. That's what the of Jesus. Il avait une parole who brings the word, qui était contraire à ce que eux là croyaient. Which were contrary to what they were believing. Voilà la raison de leur colère. That's why that, see the reason of that. Et aujourd'hui aussi, and today, ce que nous prêchons, what we're preaching, cela ne parle pas des églises. That one that is feel sorry of churches. Amen. Quand parle la pierre de foi, when you speak of the headstone, les femmes me disent, problems, que c'est la pierre de l'angle. It's the cornerstone. Qui est devenu la principale de l'angle? Amen. C'est la même personne. Amen. Bon, la pierre de l'angle, c'est qui? The cornerstone is what? Mais c'est Jésus. Et quand la pierre de foi, c'est qui? When the headstone. Mais c'est Jésus. Amen. Lui-même. En quoi nous avons failli? Where have we failed? En quoi on a prêché les fausses doctrines? Where have we preached the false doctrine? Ça ne parle pas des églises. It doesn't feel so much. Tu prêches aux gens, you preach to people. Oh frère, oh brother, Jésus vient bientôt. Jesus coming soon. Mais tu dis encore, you say, le précurseur de Saint-Séguin venu, c'est le frère Branham. The forerunner. Confusing. Depuis 1965, le précurseur est parti. The forerunner is gone. Plus de 50 ans. More than 50 ans. Vous qui attendez Jésus. And you're seeing people Jesus. Non. No. On va briser les églises. Non, frère. We will destroy those churches. Et la nuée. And the cloud. Ne descend pas après avant l'enlèvement. And that's the kind of non, monsieur. Bullshit. Les sept choses, ce n'est pas avant l'enlèvement. C'est après. It's after.
Parce que cela devait descendre après que Israël soit devenu une nation. Yes, that was supposed to come down after Israel became a nation. Yeah. Parce que la septième trompette, the seventh trumpet, introduit Christ, qui est Joseph. Il a introduit chez ses frères. He has to be introduced to his brother. That's why Israël devait go and rentrer. That's why Israel has to go back first. Et le frère Branham me dit, c'est cette génération-là, qui a vu Israël reparti au pays. Cette génération ne passera pas. Jusqu'à ce que Christ va venir. Après, une génération 40 ans. Une génération 40 ans. Amen. Et Jésus n'est pas venu. Et Jésus non. Non, mais comment on va commettre ça? Vous ne pouvez pas dire ça. Au frère, au frère, Jésus est venu. Il s'est dit, vous allez faire l'église. Vous avez trouvé ça. Ça, c'est vos pensées. Jésus devait revenir. En tant que juge. Donc, pour être juge, tu veux être juge. Non, on va être là. Parce que les saints, ils jugeront la terre. Quand les saints jugeront la terre, ça ne sera pas là, c'est la vie. Ça sera dehors des âges. C'est ça qui prouve que, même après les âges, les saints doivent être là. Les saints, mais les saints là, et nos saints, ils ne sont pas les saints, c'est les biens. Parce que ce sont des rois qui sont des terroristes. Ce sont des monarques. Je me souviens encore de la prédication du pasteur Laurent. Il est venu cet homme. I remember the question of the Lord. J'aime cet homme, frère. Alors, malgré ses fautes, mais je l'aime. La première fois que j'ai écouté cet homme prêcher cette prédication, frère. First time I heard this man preaching that sermon. Frère, j'ai eu des troubles. I was troubled. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais vu un homme prêcher comme ça. I've never seen someone. Le monarque qui vient de l'Orient. Le monarque. The monarchs. They come from the. Il a pris ces passages. Il dit la scripture. Amen. Le roi qui vient de l'Orient. Kings that come from the East. Quand ils viennent, when they come. Il vient pour le jugement. They come for the judgment. Et cela arrive après l'enlèvement. And that comes after the rupture. Amen. Parce que quand il était là, après le parti, c'était une église. It was a church. L'église venait, the church venait, les appelait à sortir. They called out. Mais quand elle revient, when she comes. Amen. Quand elle revient, when she comes. Elle revient comme juge. Comes a king. Parce que David, Daniel a dit, Daniel les trônes sont installés. Et le livre fut ouvert. And the books were open. Amen. Amen. Et le livre en question. And the book was chez les hommes. It was man. Parce que l'ange vous a dit de s'attendre avec le livre. Because the mighty angel that came with the book. Il met un pied sur la mer. He put 1 foot in the sea. Un pied sur la terre. And 1 foot on the ground. Mais le livre en question qu'il a amené. But the book in question that he brought. C'est lui-même. It was himself. Comme il a donné le livre au septième ange. He said he gave the book to the seventh angel. Donc cela veut dire que le prophète. Il s'est incarné dans le septième ange. He incarnated in the seventh angel. C'est ça le message du prophète. That's the mission of the prophet. Et les gens quand ils voient ça, when people when they see, ils disent que l'ange vous est descendu. Or the mighty angel is coming. Il a un livre, he took a book, un livre ouvert, he opened book, et il a donné un message. And he gave the message. Et il pense que le frère était là, et il va prendre le livre, he took a book, et puis Jésus est parti. Frère, nous attendons Jésus. Vous êtes des pentecôtistes. You are pentecostal. C'est quelle compréhension? What kind of understanding? Donc lui-même Jésus, himself Jesus. Donc quand le Bible dit qu'il a donné le livre, le Bible say he gave the book. C'est en notre terme, in other word, il s'est donné, he gave himself. Yes. Le Bible dit que quand Dieu envoie, when God sent, il dit quand Dieu envoie quelqu'un, when God sent someone, il dit Dieu qui envoie, they say the God has sent, et lui-même dans l'homme, and himself in the man. Il dit que le Dieu qui envoie Jésus, c'est le même the God sent, était en Jésus, was in Jesus. Yes. Le Dieu qui envoie Branham était où? The God who sent Branham. Mais il va rester seul pourquoi? Oh, he's in heaven. Donc si le Dieu est associé, if God is left in heaven, et que toi, Branham dit que Dieu m'a envoyé, Branham said God has sent me. Cela veut dire que means, Dieu ne l'a pas envoyé. God has sent him. C'est pourquoi ça va nous habiter ça, pour attirer notre attention. Catch our attention. Amen. Quand il dit que je suis envoyé de la présence de Dieu. C'est why he said I'm sent from the presence of God. Ça veut dire qu'il est en moi. He is in me. Amen. Amen. Depuis sa naissance, since his birth, Jésus était déjà venu. Et nous quand on est né, when we were born, on a trouvé le Seigneur. So yeah. Le septième frère. Ça ne parle pas.
Parce que c'est une grande graine. It's a great rock. Rock. Composé de petites graines. And composed in some itself with small rocks. Amen. Amen. Nous allons arriver. 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 Dans la prédiction, ta famille. In the preaching, your family. Thy house. The house. Le titre en anglais, c'est thy house. The house. Le faire en anglais, c'est ça. En anglais, c'est ça. Ok. En as-tu une autre? Oui, c'est une question. Quelle est la signification quand les fleuves éphrates dans la Bible spirituellement parlant? Les fleuves, madame, donnent maintenant la signification de l'éphrate. Écoutez ce qu'il dit. Laissez-moi essayer. Thy house, c'est tout. Par leur son. Il dit ceci. C'est un verset. Le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. The Euphrate River has always been an important fleuve. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. D'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate traversait en plein l'Éden. La Bible dit qu'il traversait en Éden, en plein l'Éden. Et ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Les mêmes fleuves, voyez-vous, les fleuves Euphrates traversaient en plein Babylone. Or, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrates et l'a asséché pour que les rois du nord puissent descendre. Amen. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout. C'est une fois. C'est hier. Ok. You call another one, you call it? Yeah, the Euphrates River, it's always been a great river because the Euphrates River has a great place in the Bible. The first place we found that is right through Eden. Euphrates River did. The Bible says it comes right through Eden. The next thing we found out, the Euphrates River also was a river that comes right straight down through Babylon. Same river, see? Euphrates River comes right through Babylon. Now we find out that the angel poured out his vow upon the Euphrates River and dried it up. Amen. Pour que le roi du nord puisse descendre. That the kings of the north might come down. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement. And I think what that will actually be. Ça se fera au temps de la fin. Will be at the end time. Quand ils arriveront, quand ils arriveront à Armageddon. When they come into America. Amen. On a parlé de ça. You spoke about it. J'ai dit qu'il a